Beaucoup de technologies nous permettent de prendre des notes et de numériser, soit en PDF ou encore en JPEG ou en PNG, les fameuses notes qu'on a prises. Ben, voici un petit cahier, cahier qu'on ouvre, avec cahier de notes, avec crayon, mais crayon qui est intelligent. Ce crayon-là est particulier parce que vous allez télécharger une application dans n'importe quel appareil Android ou encore Mac, et vous allez écrire sur la feuille. Et en temps réel, on va avoir à l'écran que vous fassiez un dessin, que vous fassiez des notes. Tout va se prendre en temps réel. Et vous allez pouvoir, à la fin de l'opération, sauvegarder les informations. Parce que moi, j'en ai essayé souvent les technologies comme ça. Le problème, c'est qu'il faut toujours racheter les fameuses feuilles, mais pas avec eux. Regardez, je vais prendre une feuille de papier que j'ai cachée ici. Bonne vieille feuille. Je la place sur la fameuse tablette et je vais écrire. Ben, vous voyez, la technologie fonctionne autant avec n'importe quelle feuille de papier. L'important, c'est d'avoir sous la feuille de papier la base du fameux cartable qui vous sert à traîner vos feuilles et le fameux crayon. Et une fois que c'est terminé, là, on sauvegarde, comme je le disais, en fichier d'image ou encore en fichier PDF. Et là, on peut partager les notes qu'on a prises dans une réunion avec des collègues ou encore les sauvegarder pour les relire. Entre autres, je pense aux étudiants, la veille d'un examen, on ressort nos images et là, ben, un bon pot de café et on étudie toute la nuit.